jamais vu un truc pareil. Ça bouge pas, non? Non, plus aussi froid que quand c'était dans la boîte. Allez, foutons le camp d'ici. Bonsoir, messieurs. Si cela ne vous dérange pas trop, vous allez poser ce corps au sol pour moi. Willy, tu connais ce trou du cul? Cornelius, n'écoute pas ce jeune idiot. Il sait pas de quoi il parle. Approche-le vers moi maintenant, petit. Arthur, je te présente Cornelius Murphy. Maintenant, sois gentil et passe-lui le corps. Ça te fait marrer, hein? Tu ferais mieux d'écouter ton patron si tu veux t'en sortir vivant. T'es un bon garçon. Maintenant, donne-lui. Ne sois pas stupide, Arthur. Voyons. Fais comme le monsieur te dit. Je t'expliquerai après. Sur le sol, ici. Pose-le. Je vais pas pouvoir faire ça. Vous voyez, ça nous a pris des heures pour le déterrer. Maintenant qu'on l'a, on le garde. Pose-le et tu vivras. Pose le corps! J'admire ton courage, petit. Quand on aura marre de traîner dans les cimetières avec ce taré, viens rejoindre la maison de Murphy. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ça fait donc cinq morts que je vais vendre ce soir. Allez, lâche-moi, bordel! Tout ça, c'est de ta faute, Arthur. Moi? Personne ne t'a traîné ici. Toi et cette Fanny, vous m'avez ruiné. Cette morsure a eu un effet bizarre sur moi. Laisse cette pauvre Fanny en dehors de ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être que nous pourrions convenir d'un arrangement. Moi, j'aime l'arrangement actuel, Arthur Blake. Toi, attaché à cette cage, pendant que je l'amarre à ma barque et que je te traîne au fond de la mer sur le trajet du retour. J'ai pensé que vous voudriez un homme en plus. Maintenant qu'il vous manque, Monsieur Bulgare. Je préfère vendre ton cadavre trempé. Arthur, sale lâche! C'est ça le plan de secours. Un rat quittant le navire, c'est ça? C'est tout moi. Très honorable. Mais où était ton honneur quand tu as essayé de piller mon butin? Et massacrer mon bon ami Bulgare? Ok. Eh bien, c'était pas notre intention. Vous voyez, Monsieur Cornelius, on voulait juste faire un peu de fric, c'est tout. Dites-moi, Monsieur Blake, vous aimez votre métier? Je suppose que oui. Un peu salissant, peut-être. Eh bien, de mon côté, je l'adore, ce métier, Monsieur Blake. Et je viens d'une très longue lignée de ghouls. Alors, je suis particulièrement honoré par ce que je fais. Et quand un petit merdeux comme toi arrive et pense qu'il peut m'arnaquer, eh bien, c'est là, voyez-vous, que j'enrage, Monsieur Blake. Et Grimms, tu aurais dû être plus avisé. Hola, Cornelius, sois pas comme ça. Je suis juste venu profiter de l'air marin. Valentine, pourquoi ne leur montres-tu pas ton visage?